parlé qu'il y avait une nouvelle formation au niveau de la dictée. De... Ah, donc oui, donc c'est pas, c'est juste les critères. Oui, voilà les critères, voilà. Oui. Non, écoutez, c'est juste dans les examens d'admission à la police que nous avons changé en quelque sorte l'examen de français parce qu'il avait quand même fait couler beaucoup d'encre et puis on pensait qu'il était quand même bien de revoir ces critères. Et aujourd'hui, le critère du français n'est pas du tout tombé parce qu'on demande quand même à nos agents de maîtriser quand même bien la langue française. Simplement, ceci ne se fait plus sous forme de dictée avec le comptage des fautes. Mais c'est un nouvel examen qui tient compte, un, de l'orthographe et puis deuxièmement, de la compréhension générale de la langue française. Ce qui permet aussi d'assouplir un petit peu ce critère. Et nous avons pu augmenter aussi le recrutement avec les personnes qui commencent à l'école de police grâce à ce petit aménagement du français. Et au niveau du recrutement, est-ce que vous êtes contente de la quantité de policiers qui est actuellement aujourd'hui à Genève? Alors aujourd'hui, on a réussi à recruter beaucoup de personnes. Donc il faut toujours faire attention parce qu'on imagine qu'avec la crise, peut-être maintenant le secteur public il est plus attrayant qu'avant que le secteur privé. Donc bien évidemment, il faut toujours tout au long de l'année faire des efforts constants en matière de recrutement. Et donc nous continuons en fait, à être présents et sur les radios et avec des journées sportives dans lesquelles les gens peuvent venir avec leurs parents pour essayer de passer ces examens de police. On a des soirées informatives, on a des stages en immersion où les jeunes qui souhaitent devenir policiers peuvent passer 3 jours à l'intérieur du corps de police, donc voir un petit peu comment ça se passe. Donc il est vraiment important que tout au long de l'année, on soit constant dans cette opération. Je déclare ouverte la cérémonie de prestation de serment de l'école de police, classe de gendarmerie 2008B et classe de police de la sécurité internationale 2008B, ainsi que de 2 nouveaux collaborateurs de la gendarmerie et d'un nouveau collaborateur de la police de la sécurité internationale. C'est la dernière fois que je participe en tant que conseiller d'État responsable de la police à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment des écoles de police. Mesdames et messieurs, la cérémonie de prestation de serment est terminée.